jeudi 26 septembre. Vous voyez mon sourire? Ça veut dire que, ouais, c'est bon, j'ai mon visa pour la Russie. Pour une entrée le 1er octobre. On est 26, donc j'ai encore un petit peu de temps pour arriver jusqu'à la frontière. Mais je suis vraiment content d'avoir eu mon premier visa. Ouh, ça y est, soulagé. Bon, bah, j'ai plus qu'à me préparer. Je vais profiter encore du soleil ici à Riga pour me balader encore un tout petit peu. Et puis demain matin, départ vers 9h, 10h. Il fait beau aussi demain, donc ça va être cool. J'ai hâte. 9h30, équipé pour le froid. Il fait 4 degrés. C'est très froid, mais il fait très beau, heureusement. Et ça y est, je pars de Riga. Enfin, c'était vraiment une très très belle semaine ici. Et si je peux avoir un temps comme ça vraiment tout le temps, ce serait vraiment génial. Parce que le froid, à la limite, ça peut aller. Mais si en plus, j'ai un temps pourri, ça va être compliqué. Mais bon, c'est ça aussi l'aventure. Ça y est les amis, j'arrive à la frontière. Le nom de la frontière c'est Tereova, donc entre la Lettonie et la Russie. Et on va voir si je vais pouvoir passer avec ça, hein, avec la gyroroue. Et il n'y a personne. Ça y est, 8h45, je viens de passer la frontière qui est juste derrière moi. Ça s'est super bien passé, je l'ai passé en à peine 15 minutes. Ils ont vraiment été tous sympas avec moi. Il y a au moins 6 contrôles, hein. 3 contrôles du côté letton et 3 contrôles du côté russe. Ils n'ont rien vérifié de mes affaires et tout ça, ils m'ont fait passer devant les voitures. Par contre, voilà, si vous passez cette frontière en voiture, prenez votre journée parce que ça a l'air vraiment très très long. Je disais qu'il n'y avait personne, mais en fait, dès que j'ai passé la première barrière, il y avait, je pense, une vingtaine, trentaine de voitures et ça n'avançait pas du tout. Donc tout était en règle, je suis vraiment content. Ça a vraiment été une très bonne expérience, ma première frontière hors de l'Union Européenne. Donc me voici en Russie. Wait for the wind, wait for the night. Stand here while. Bon, ça y est, j'ai trouvé mon premier spot recharge dans une sorte de bibliothèque, on dirait. Et là, il faut que je trouve un distributeur pour retirer de l'argent pour la semaine. Il n'y a pas de changement d'heure pour le passage à la frontière, donc c'est la même heure qu'en Lettonie et qu'en Lituanie. Donc il y a une heure de décalage avec la France, une heure de plus. Les routes sont les mêmes pour l'instant. Petit conseil pour ceux qui veulent aller en Russie, pensez à télécharger un clavier cyrillique. Parce qu'effectivement, là, c'est des nouveaux caractères qu'on n'a pas, nous, en Europe. Donc, je l'avais fait, heureusement, avant de partir. Donc, j'ai un petit clavier cyrillique pour au moins traduire et pouvoir discuter avec les gens. Parce que là, il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas de traduction, il n'y a rien. Tout est en russe. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas bien suivi mon aventure, l'idée, c'est d'aller jusqu'à Moscou en roue. Donc là, je suis quasiment 800 km en gyroroue de Moscou. Donc, ça va me prendre entre 6 et 8 jours, selon la météo, selon les routes. Et ensuite, à Moscou, l'idée, c'est de prendre le transmongolien, donc le transsibérien qui passe par la Mongolie, jusqu'à Pékin, en Chine. Donc voilà le projet. Sachant que le visa touristique en Russie, c'est seulement 30 jours. Donc là, on est le 1er octobre, et je peux rester que jusqu'au 30 octobre. Va falloir que je m'organise. With a painted smile, I was the willow tree.
Comme je vous le disais dans une autre vidéo, c'est toujours dans les moments de galère qu'on rencontre des gens formidables. J'ai crevé, voilà, j'ai crevé. Après 10 000 km sur la roue, 7000, plus de 7000 depuis Paris. Fallait que ça arrive, donc j'ai crevé. Je me suis retrouvé en pleine crevaison, n'importe où sur la route. Mais j'étais juste à côté d'un poste de contrôle routier. Et j'ai fait la rencontre de Victor, qui travaille là et qui m'a aidé comme il pouvait pour la roue, pour trouver un hébergement ce soir, enfin pour plein de choses. Donc vraiment, je le remercie. Merci Victor, c'est vraiment cool. Bon, comme vous avez pu le voir, hier soir, j'ai crevé. J'ai mis de la bombe après crevaison. Je pensais que ça allait tenir. Aujourd'hui, j'ai fait 10 km et ça tient pas. La roue est en train de se redégonfler. Donc je vais tenter de la réparer comme je peux. Je vais essayer juste d'atteindre la chambre à air sans démonter la roue et mettre une petite rustine. Voilà, super. J'ai trouvé le petit abri pour faire ça. Il fait 2 degrés, il fait très froid. Il est 9h30 du mat. Mission, allez. Gregory, oh, c'est cool. Ok, je vous suis. C'est parti. Very strange. I follow you. Yes. That's square. That's okay. Square. Yeah. Go. Ça y est, les amis. Après 7700 km, plus de 2 mois sur les routes, 800 km en Russie, me voici à Moscou. Enfin. Truc de fou, oh là là, j'y crois pas. Paris-Moscou en giro-roue, ça c'est fait, ça y est. Là c'est un petit peu d'émotion, mais je suis vraiment heureux. En vrai, je suis arrivé il y a déjà quelques heures, je suis arrivé vers midi, j'ai changé mon pneu et ma chambre à air à la boutique EcoDrift. Là, je suis accompagné de 2 wheelers que vous avez dû voir passer. Et j'en prends plein les yeux, vraiment magnifique. Je vous laisse avec plein de petits plans de Moscou et de ses environs. Voilà, vraiment vraiment très heureux. Allez, c'est parti. À Moscou se trouvent les plus belles stations de métro du monde. J'en ai pas besoin en giro-roue, mais j'ai vraiment envie d'aller voir, donc je vais payer mon ticket, je vais me balader toute la journée pour filmer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ça a l'air vraiment très très joli, je vous laisse découvrir ça avec moi.
Comme vous avez pu voir, c'est vraiment magnifique. Je ne regrette pas d'avoir payé mon ticket de métro. Comptez 3 euros pour un ticket valable 24 heures, donc peut-être que je vais m'en resservir un peu plus tard. Et vraiment très très belle architecture, et c'est très bien entretenu, c'est très propre. Alors toutes les rames de métro ne sont pas neuves, mais voilà, c'est vraiment bien entretenu. J'y étais pas encore aux heures de pointe, ça avait l'air déjà d'être assez blindé de monde. Donc j'imagine pas dans quelques heures, là, vers 18-19 heures, ça doit être plein à craquer. Salut! Ça va, ça va? Tito. Tito. Salut, Alessandro. Alors. Italien. Donc là, je suis avec des étudiants français et donc un étudiant italien qui sont ici à Moscou pour faire des études sur... un semestre d'échange. Ouais. Ouais, en aéronautique et aérospatiale. Quelle est votre impression sur la Russie? La Russie, Moscou. Vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait un peu plus d'un mois. Que dire? Bonjour. Certains clichés sont vrais, mais les Russes ne sont pas froids, ils sont super accueillants. Les Russes sont hyper chaleureux. Et ça vaut vraiment le coup de venir à Moscou parce que c'est une très belle ville et il y a beaucoup de choses à voir. Faut venir au moins une fois en Russie. C'est, faut passer outre les clichés qu'on a parce que c'est une expérience incroyable. Voilà. J'ai un autre truc à ajouter. Si vous êtes par exemple dans le monde, par exemple en Mongolie, en Chine, au Japon, contactez Thomas, je pense que ça pourrait être une très bonne idée parce que c'est un mec bien et il va vous apprendre plein de trucs. Voilà, et vous pourrez peut-être tester la Giro Rousse si vous êtes sage. Ça y est les amis, vendredi 11 octobre, j'ai passé 4 jours merveilleux à Moscou. Mais clairement, je vous le dis, ça suffit pas, la ville est vraiment magnifique et il y a plein de choses à voir, j'en ai vu qu'une partie. Et cette partie m'a vraiment plu et je reviendrai sûr et certain dans cette ville. Donc là maintenant, j'ai encore un peu de temps devant moi. Je prends ce soir le transsibérien, le transmongolien, en direction de la Mongolie. Et je ferai un premier arrêt à Krasnoïak pour 3 jours de train. 3 jours de train, je pars ce soir, mais en fait c'est demain matin. Je pars à minuit 30, donc en pleine nuit. Et je pars donc à Krasnoïak, une ville en Sibérie. Et apparemment il y a des wheelers là-bas, il y en a un qui m'a contacté. Et je vais vous filmer tout ça. Ce soir il y a un gros rassemblement de wheelers. Donc on va pouvoir se rassembler, se retrouver. Et ils vont m'escorter jusqu'au Transsibérien. Vraiment cool. Bonjour. Привет. Привет. Томас. А как это будет? Hello. 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 Oh, nice to meet you. So, yes. So, Russian tradition.
For your journey, for your travel, chin chin. After the c'est bon, mais ça pique. Ça pique. Jalapeno. Yeah. Something like this. Ok. Nice. Nice. Très bon. Now on go. Concentration. Petit bonus, l'eau est super froide et forcément comme je suis en train de filmer, je suis obligé de faire l'aller-retour. Ah punaise, que je fais pas. Et non, il n'y avait pas d'autre chemin malheureusement. Après c'était l'autoroute, donc c'était le seul chemin pour moi. Bon ben, bah, j'y retourne. Bon, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, laissez le petit pouce bleu qui fait plaisir, un petit commentaire. Puis on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Zenly. Allez, salut, ciao !